Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est mercredi 12 juillet, il est à peu près 14h. Ma petite chérie est au dodo. Mon chéri est parti à son appartement puisqu'il a un truc au niveau de sa poignée de porte à faire changer juste avant la vente qui sera signée lundi prochain. Donc trop cool. Et je suis en train d'attendre le chauffagiste qui va venir faire la révision de notre chaudière pour les prochains propriétaires en fait qui ont besoin d'un entretien de chaudière en fait tout simplement. Donc voilà, je suis en train d'attendre. Juste avant, j'ai terminé un chapitre de Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Je suis à 51% de lecture. Je vous cache pas que j'aimerais bien le finir vendredi maximum pour pouvoir enchaîner une autre lecture, ce serait super chouette. Pour l'instant, j'aime plutôt bien en fait ce qui s'y passe. Là, on est sur une nouvelle péripétie. Enfin, en tout cas, le chapitre vient de se terminer sur une péripétie. J'ai pas mal envie de lire, mais en même temps, je vous montrerai peut-être ça après ou avant, je sais pas trop. Je suis en plein dans le tri de mes affaires, de mes tresses, de mes fournitures, de faire un carton, tout ça, tout ça. Et comme j'avance plutôt pas trop mal et que j'ai bientôt fini, j'avoue que j'aimerais bien faire ça. Mais d'un autre côté, c'est stratégiquement mieux de le faire quand ma petite chérie est levée et de profiter de la sieste pour soit lire, soit jouer. Parce que je vous cache pas que j'ai très envie de jouer à House Flipper, donc on verra bien. En tout cas, très bonne lecture, univers sympa, j'avance à mon rythme parce que voilà, en ce moment on est beaucoup dans les cartons, les démarches et d'ailleurs ça me permet de faire une transition puisque depuis la dernière fois que je vous ai pris, il n'y a pas trop de changements au niveau de la vente de la maison. Les acheteurs potentiels sont toujours voilà, intéressés, de toute façon c'est sous compromis. Le rendez-vous à la banque s'est très bien passé, donc voilà, on est plutôt pas trop mal de ce côté-là. Le souci maintenant, c'est que hier on a contacté en fait toutes les maisons et tous les apparts qui nous plaisent sur Angoulême pour essayer de caler des visites la première semaine d'août. Comme on va aller à Angoulême la première semaine d'août en allant chez mes beaux-parents en vacances. Et en fait, ce qui se pose comme problème, c'est que du fait qu'on n'aura pas de boulot ni l'un ni l'autre, personne ne veut nous prendre. En fait, aucune agence, aucun propriétaire, parce que notre situation est trop précaire. Ils ne prennent aucun garant. Donc mes beaux-parents se sont portés garant en fait pour nous payer le loyer le temps qu'on se retourne, le temps qu'on en ait besoin en fait. Mais même ça, personne n'en veut. En gros, les garants, c'est juste pour les étudiants, mais pour les personnes comme nous, c'est pas possible. Donc je vous cache pas que hier il y avait un petit coup de stress de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire en fait? Parce qu'il y a aussi, je pense qu'on n'arrive pas à trouver de boulot parce qu'on est ici et que forcément les recruteurs ils se disent mais ils sont dans la Haute-Marne, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire qu'ils peuvent venir travailler? Même si au final c'est le cas puisque notre maison elle est en train de se vendre, on sera parti, mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que tant qu'on n'a pas de logement, on n'a pas de boulot et tant qu'on n'a pas de boulot, on n'a pas de logement. Donc la décision qui a été prise et ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a créé un dossier à l'OPH d'Angoulême puisque voilà, il nous faut un coup de main en fait, il faut qu'on ait des aides puisque voilà, mon chéri sera au chômage, moi je serai en dispo donc on ne travaillera pas, ça va être assez dur, mais en fait c'est juste le temps de trouver un logement avec des aides sociales tout simplement et après bah, du coup on s'en détachera, mais c'est pour nous donner le premier coup de pouce en fait qu'il nous faut. Il faut vraiment qu'on parte là-dessus. Donc on a fait notre dossier hier. On a reçu le code de notre dossier aujourd'hui. Donc c'est qu'il est traité. À voir si c'est bon. Je pense que d'ici la fin de la semaine, en fonction de si on a des nouvelles ou pas, on appellera pour avoir un peu plus d'informations. Et moi ce que j'ai décidé de faire demain, je préfère attendre qu'elle soit à la crèche pour avoir autant de temps que je veux pour téléphoner. J'ai prévu d'appeler une assistante sociale pour essayer de demander un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme aide, tout ce qui peut nous aider à démarrer en fait cette nouvelle vie dans une autre région, parce que voilà, c'est vraiment ça qui pose problème. Moi, ce qui me stresse le plus, c'est de devoir louer un garde-meuble en fait, tout simplement parce qu'on n'aurait pas d'appart, pas de maison là-bas, d'aller vivre chez mes beaux-parents en attendant de trouver quelque chose, mais en même temps, bah, ce serait... Voilà, je préfère qu'on parte comme ça, de savoir quelle aide on peut avoir. J'aimerais bien appeler la CAF aussi pour bah, ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'aide pour le début de cette année scolaire qui va arriver où je ne travaillerai potentiellement pas. Donc voilà, on est là-dessus.
je suis pas si stressée que ça, parce que je sais que ça va aller, je sais qu'on a fait notre dossier, je sais que ça va le faire. Le seul petit truc qui me stresse un peu, c'est d'avoir une trop mauvaise situation pour les agents immobiliers et les propriétaires, mais d'avoir une trop bonne situation pour l'OPH et que du coup on se retrouve un petit peu le... Bah en fait vous êtes trop riche et on peut pas vous prendre, et vous êtes trop pauvre et donc on peut pas vous prendre, et donc en fait on peut nous prendre nulle part. C'est juste ça qui me stresse un tout petit peu, et encore je trouve que ça va. Je suis tellement dans les cartons, dans le rangement, dans l'organisation de tout ça qu'en fait ça va, et comme les choses se font, ça va. Donc voilà où on en est. Et puis sinon, j'ai lu Vivre de Victorine Giamaria. Donc c'est la vie de Rémi Bertrand. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous en reparlerai très prochainement dans un update lecture, mais c'est vraiment un message d'espoir et de force, et de... C'est une bouffée d'oxygène, et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ma lecture. C'est très rapide à lire, je l'ai lu sur même pas 24 heures, donc voilà, c'était chouette. Et je suis encore une fois très 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 fière de ma petite poulette, donc voilà. Et dernière chose que je voulais vous dire, je sais plus si je vous en avais parlé, mais pour mon anniversaire et l'anniversaire de mon chéri qui arrive la semaine prochaine, Lucille nous avait offert une carte cadeau dans la super librairie de chez nous. Sauf que le souci, c'est qu'on essaye de pas trop accumuler de choses à déménager avant. Et du fait que ce soit la librairie de cette ville-là, on était vraiment obligé d'utiliser la carte cadeau avant de partir. Donc comme c'était pour nos anniversaires à tous les deux, on avait dit, bah c'est tout, on essayera de prendre des jeux de société, et ça va le faire. Il y avait deux jeux de société, même trois jeux de société qu'on voulait vraiment. Il y en a un qu'on a offert à des amis, et du coup ils ne l'ont plus en stock, et il faut attendre la prochaine commande qui sera sûrement au mois de septembre, donc c'est mort. Il y en a un qu'ils ne recevront jamais parce que ça fait pas partie de leur fournisseur, donc c'était mort aussi. Et il y avait Acropolis qu'on voulait trop, ils ne l'avaient pas. Et en fait, hier quand on est allé faire un tour, on l'a trouvé, on y avait joué avec David et Amy, c'était trop trop bien, on voulait trop l'avoir. Du coup, bah grâce à Lucille, voilà, on l'a enfin récupéré. Il est encore sous blister parce que voilà, on l'a acheté hier avec un autre jeu que je vous montre juste après, dont on a fait une partie hier soir. Donc on n'a pas encore joué tous les deux, rien que tous les deux. Mais trop 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 content parce que c'était prévu qu'on l'achète de toute façon. Donc je remercie ma petite Lucille pour ce très très beau cadeau d'anniversaire. Acropolis, en gros, on construit sa ville, mais en étage. Je sais pas si ça se voit. En gros, on a l'étage du bas, et à certains moments, on peut rajouter des tuiles par au-dessus. Et après, il suffit de compter les points. Enfin, voilà, j'essayerai de vous filmer une partie cette semaine parce que c'est sûr qu'on va tester, enfin qu'on va retester, mais tous les deux ce coup-ci. Donc voilà pour Acropolis, on était trop contents. Et on voulait un autre jeu pour finir la carte cadeau justement. Et puis moi, il me restait 1,10€ sur une vieille carte cadeau. Donc je voulais utiliser tous mes points avant de partir. Et on a acheté Roll and Bump. C'est un jeu de dés qui fait beaucoup penser aux Yams, mais pas frustrant du tout. Super sympa. D'ailleurs, je vous ai filmé une partie hier normalement que vous avez eu juste avant, peut-être. Et franchement, c'est chouette, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de frustration du fait que bah, certains GD sont embêtants. Et en gros, c'est ça. Mais de toute façon, vous avez la partie, je pense, juste avant. C'est chouette. On a vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'on refera quelques parties cette semaine pour vraiment se familiariser à fond. Mais franchement, ça va. On a regardé une vidéo hier pour savoir comment y jouer, et ça allait tout seul. Donc voilà. Du coup, là, je crois que je suis au bout de ce que je voulais vous dire. Jeux de société, lecture, péripéties de vie au final. Et puis voilà, j'ai filmé 2-3 choses qu'on a réorganisées, qu'on a rangées. Je pense que je vous mettrai tout ça après. Ce sera pas chronologique, mais on s'en fiche. Ce sera plus simple pour moi le montage. Donc voilà, je vous mets bout à bout juste après les petites choses que j'ai faites. Et puis voilà en fait. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut!
Et salut, je vous reprends, on est samedi 15 juillet, il est pratiquement 15h, je viens de faire une petite pause lecture, j'ai lu pendant une petite demi-heure, et d'ailleurs ça me permet de vous dire que j'ai commencé ici et seulement ici de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, j'en suis ici, donc franchement je pense que je l'aurai terminé ce soir, c'est d'ailleurs un de mes objectifs de la journée parce que j'aimerais beaucoup commencer une nouvelle lecture demain, donc le finir aujourd'hui ce serait nickel. Je suis perplexe sur cette lecture mais j'ai très 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 envie de savoir où est-ce que ça nous mène. C'est une ambiance très particulière, c'est un livre, enfin c'est un genre de livre que je n'ai jamais lu et c'est vraiment bizarre. Mais j'aime bien, donc voilà, je vous en parlerai plus en détail demain, je pense, quand je l'aurai terminé. En gros, on suit plusieurs personnages qui sont tous dans un collège et il se passe des choses vraiment bizarres dans ce collège. Il y a des règles bien particulières et quand elles sont transgressées, il y a des choses étranges qui se passent et c'est raconté de telle sorte que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, c'est un livre très bizarre, mais je suis très contente de retrouver la plume de Christelle Dabos, même si c'est à des années-lumière de la passe miroir. D'ailleurs, j'avais pas voulu lire le résumé de trop pour éviter de m'attendre à quelque chose de la passe miroir, et j'ai bien fait parce que ça n'a rien à voir. Donc même si je sais que c'est Christelle Dabos, bah voilà, c'est complètement différent. Franchement, ceux qui le lisent en se disant que c'est un... Il y aura peut-être... Non. Rien, rien, rien du tout. Donc voilà, mais c'est intéressant, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Donc je pense que j'irai me refaire une petite session lecture juste après. Mais avant de refaire une session lecture, je vais repartir en rangement. Je vous ai filmé ce matin le bazar qu'il y avait sur ma table de salle à manger et mon endroit où, d'ailleurs, je vous avais pas filmé juste avant qu'on le déménage, on avait un gros meuble d'entrée qui était dans ma salle à manger, mais qui s'appelait le meuble de l'entrée parce que dans l'ancien appartement c'était le meuble de l'entrée. Bref, on a décidé que ce meuble là, de toute façon, il n'était pas top top, donc on allait le donner à Emmaüs, on ne le déménagerait pas. Donc, du coup, on a viré ça ce matin. Mon chéri est allé l'emmener, plus 2-3 choses qui allaient à la déchette. Et à l'étage, dans son bureau, on a deux étagères de chez Ikea, des 4-2. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trié dans son bureau, d'ailleurs, on a tout rangé, tout trié, toutes les étagères, tous les bureaux sont globalement vides, à part vraiment les affaires particulières qu'on garde. Mais sinon, le reste est en carton, ou est donné, ou est jeté, ou est déchiqueté, bref. Du coup, on a descendu un 4-2 que j'ai couché plutôt que de la mettre en hauteur. Je l'ai mise couchée en fait à la place du meuble de l'entrée. Ça rend trop bien. On a redescendu les caisses du 4-4 de la chambre de notre fille. Et puis on a remis nos jeux de société parce qu'on a emballé les trois quarts de nos jeux de société. Mais il en reste encore quelques-uns parce que on continue de jouer aux jeux de société, en tout cas tout le mois de juillet. Donc voilà, on a gardé ceux qu'on est sûr de refaire une partie, donc voilà, on a remis ça. J'ai encore du bazar sur la table de salle à manger, donc voilà, il faut que je finisse de tout trier, de tout réorganiser. Mon bar est sous une montagne de choses qui n'ont rien à faire dessus. Donc voilà, mon objectif de la journée, c'est vraiment salle à manger, cuisine, tout est rangé, tout est nickel, tout est trié, rien ne dépasse. Et ça fait vraiment trop du bien. Franchement, ça fait trop du bien de trier, de savoir que ça avance parce que mon chéri, il a du mal à voir que ça avance, mais en fait, on a déjà beaucoup mis en carton. Là, devant moi, il y a un carton qui est rempli de tout ce qui est dans ma table de chevet. Que je ne me servirai pas avant de partir. Mon chéri devra trier la sienne pour qu'on puisse finir le carton. On va très certainement démonter le 4x4 qui est dans la chambre de notre fille, trier ses affaires, les mettre en carton, ce qu'il y a besoin, et déplacer du coup le 4x2 qui est dans le bureau dans la chambre de notre fille pour bah, remettre ses casiers, les quelques affaires qui sont encore dans le casier. D'ailleurs, le 4x4 qui est dans sa chambre, on s'en sert pas plus que ça. Enfin bon, bref, il reste encore un petit peu de livres dans sa bibliothèque du haut. Je pense que je vais trier. Je vais lui en laisser quelques-uns parce qu'elle aime beaucoup cette bibliothèque-là. Mais il y en a plein qu'elle est trop petite ou alors qu'elle ne regarde pas. Donc du coup, je rangerai cela. Et puis voilà, en fait, ça avance, ça avance.
On est toujours en déconfiture totale par rapport aux annonces Le Bon Coin sur les propriétaires qui, dès qu'on leur dit qu'on bouge dans la région mais pas lié à une mutation, ils nous disent non merci, c'est bon, ça va pas le faire. Donc bon, c'est tout, j'ai continué d'appeler, on dit vraiment que c'est mes beaux-parents qui payeront le loyer pour qu'ils soient garantis d'avoir un loyer, mais bon, voilà, c'est tout, c'est un peu simple. C'est pas stressant en fait, moi je le vis super bien parce que je sais qu'au pire il y aura l'OPH, au pire ça va le faire, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit coup de toute façon il faut qu'on parte et voilà. Mais globalement, le tri, le rangement, tout ça, ça se fait petit à petit et je suis bien contente. Du coup, je vous montrerai ce que ça donne quand j'aurai tout bien rangé. Et puis voilà, en fait, j'irai lire un petit peu et je vous ferai un petit topo, je pense, ce soir ou demain de ma lecture, puisque j'aurai terminé ma lecture normalement. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends pour clôturer le vlog, puisqu'aujourd'hui on est dimanche 16 juillet, il est 16h10. Ma petite chérie peut se réveiller à peu près à tout instant, donc j'ai viré très clairement mon chéri de la chambre qui était en train de glandouiller. Il est parti dans la cabane pour commencer à faire du tri dans sa cabane. Et voilà, j'en profite pour clôturer le vlog ici, j'ai 2-3 choses à vous dire, ça devrait aller assez vite. Comme vous pouvez le constater, on est dimanche, donc c'est jour de piscine. J'ai ma tête de déglinguée de piscine et de sieste aussi. Ça a coulé partout, plus la piscine, plus... voilà. Bref, c'est tout. Du coup, voilà, on passe une plutôt bonne journée, mais c'est une journée assez tranquille où au final, il y a de la piscine, de la détente, de la sieste. Voilà, on est posé. Il y a un petit peu de rangement qui se prépare dans la chambre de ma fille, mais quand elle sera réveillée, donc voilà. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que hier soir, j'ai terminé Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Et je ne sais pas quoi vous dire dessus. Et franchement, je pense que dans 2 jours, je tourne l'update lecture qui parle de celui-là. Puisque demain, à mon avis, je tourne un update lecture pour jeudi de 2 autres lectures. Et ensuite, voilà, il y aura celui-là. Je ne sais pas quoi vous dire. En gros, c'était intéressant. Ça a changé d'habitude, c'était assez pas haletant, mais j'avais trop envie de savoir la suite. Mais globalement, le sentiment que j'en avais à la fin, c'est que j'avais rien compris. Donc, en fait, j'ai pas rien compris, mais d'un autre côté, je sais pas quoi vous en dire. Donc, l'update lecture va être très 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 difficile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien aimé quand même. J'ai été contente de retrouver la plume de Christelle Dabos, de retrouver cet univers vraiment très particulier, mais je sais pas trop quoi vous dire, donc bon, c'est tout. Voilà pour Ici et seulement ici que j'ai terminé hier. Du coup, ce matin, quand je me suis réveillée, parce que je me suis réveillée tôt alors que j'aurais pu dormir 50 minutes de plus, puisque ma petite chérie a fait un petit peu plus de dodo par rapport à d'habitude, mais c'est toujours comme ça. Bref, c'est tout. Ce matin, j'ai commencé Mémoire de la forêt, donc c'est les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun Arnaud aux éditions 9 de l'École des loisirs. Il est si chouette, il est si beau et voilà, il est tout illustré, hein, il est vraiment trop mignon. Voilà, c'est un très 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 bel objet livre, ça se lit tout seul puisque j'ai commencé ce matin, j'en suis là. Je suis page 117, il y a en gros 300 pages. Mon objectif ultime ce serait de le terminer aujourd'hui, mais ça veut dire rusher un petit peu ce soir, en sachant qu'on fera peut-être une partie d'Acropolis ce soir ou pas, je sais pas trop, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit je le finis ce soir, ce qui serait incroyable, soit je le finis demain. Ça c'est clair, net et précis que je le finis demain. En plus, je l'ai aussi sur ma liseuse, donc en parallèle, les petits moments où j'ai besoin de ma liseuse pour avancer, bah, je peux le faire, donc voilà. Pour l'instant, ça se lit tranquillement, mais j'avance assez vite quand même, c'est sympa. Les animaux personnifiés, je trouve ça assez chouette, c'est assez poignant, toute la partie sur Alzheimer. Ça me rappelle des comportements que j'ai pu voir chez ma grand-mère il y a très longtemps, et voilà, je trouve que c'est bien traduit, c'est assez poignant quand même, tout en restant assez doudou, assez mignon, assez bienveillant, et c'est chouette. Pour l'instant,
Je ne ressens pas l'engouement incroyable, je ressens pas le coup de cœur absolu, mais j'aime me balader dans la forêt avec Ferdinand et Archibald. Et voilà, pour l'instant, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Du coup, voilà, je pense que ma petite chérie n'est pas encore réveillée. Je vais aller m'atteler à la préparation de mon milkshake, puisque depuis une semaine à peu près, j'ai trop envie de boire des milkshakes. Et en fait, j'ai eu la révélation hier. Je me suis dit que, en fait, je pense que c'est rien à faire. Dans le Monsieur Cuisine, ça va tout vite. Et ça me coûterait beaucoup moins cher que d'en trouver, surtout que j'en ai pas trouvé dans ma ville. Faudrait que j'attende les vacances. Et voilà, je fais quand même assez attention à mon portefeuille, pas spécialement à ce que je mange, mais à mon portefeuille. Et du coup, voilà, j'ai fait 2000 checks hier, café Nutella, et ensuite j'ai fait café chocolat avec des morceaux de chocolat. C'était incroyable, c'était délicieux. Donc je pense que aujourd'hui je réitère l'expérience. Je sais pas encore si je fais vanille beurre de cacahuète, parce qu'on a trouvé du beurre de cacahuète, j'ai trop envie de tester. Mais en même temps j'ai un peu peur, alors que le café Nutella est délicieux. Donc je sais pas trop, je vais aller voir ça. Déjà je vais aller laver mon Monsieur Cuisine qui n'est toujours pas propre de ce midi. Il est juste en période de trempage. Et puis voilà en fait, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !